le métier d'assistant de vol est un nouveau métier. La formation comprend une phase sur avion, une phase sur simulateur, puis un stage d'application directement sur hélicoptère sanitaire au sein du SAMU. L'assistant de vol doit savoir préparer le vol, naviguer, communiquer et mettre en œuvre les systèmes. Dès que l'hélicoptère est au sol, l'assistant de vol assiste l'équipe médicale. Pendant la phase avion, le futur assistant de vol découvre les techniques de communication et de navigation. Je m'appelle Éric Dabas, je suis instructeur sur simulateur à la base aéronautique navale de Hyères, sur des simulateurs de vol Dauphin, FNPT. FNPT2 qui veut dire Flight Navigation Procedure Training, essentiellement fait pour du vol aux instruments. Donc la marine nous prête le simulateur pour faire des séances de vol et consolider les formations que les élèves assistants de vol ont commencé à l'association Castelmaubousin avec Pierre Crozet sur des petits avions monomoteurs. Donc le but, c'est de consolider leur formation dans la navigation, dans la communication, et on rajoute le vol aux instruments, c'est-à-dire l'IFR, avec tous les tableaux de bord modernes hélicoptères que l'on trouve maintenant sur pratiquement tous les hélicoptères, plus une formation avec des pannes, système complexe de pannes également. Donc c'est une formation assez complète et les séances sont de l'ordre de 2 à 4 heures et suivant le nombre d'élèves. Donc moi je suis au pupitre et Pierre Crozet fait le pilote et l'élève joue le navigateur ou l'assistant de vol, donc il remplit son rôle d'assistant de vol. Il est 10 heures sur une route du Var. Les pompiers prennent en charge un vététiste grièvement blessé et transmettent immédiatement leur bilan au médecin régulateur du SAMU. L'accident s'est produit dans un secteur très isolé. Le SAMU décide de faire appel à son hélicoptère. Alors que les pompiers terminent de conditionner la victime, le pilote et l'assistant de vol s'informent sur le lieu et les caractéristiques de la mission. Ils se rendent à la machine et en profitent pour ajuster les derniers détails. Assistants de vol et pilotes se répartissent les différentes tâches de navigation et de sécurité avant le départ. Pendant le décollage, Romain, notre assistant de vol, continue à informer le pilote sur l'évolution des obstacles et des paramètres de vol. Sécurité, aide à la radio et à la navigation vont être les principales fonctions aéronautiques de l'assistant de vol jusqu'à l'atterrissage. Une fois posé à proximité de la zone d'intervention, l'assistant de vol va changer de casquette pour devenir, grâce à sa formation, une aide précieuse pour l'équipe médicale. Il va participer à la préparation et au transport du matériel nécessaire auprès de la victime, le pilote, lui, restant auprès de sa machine. Dès son arrivée, il analyse l'environnement. Il comprend vite que le médecin confirme la gravité de la situation. Les conditions météorologiques sont mauvaises, le blessé ne doit pas se refroidir. Le médecin souhaite que le blessé soit rentré dans l'ambulance des pompiers. Pendant que l'équipe médicale se prépare à recevoir le vététiste, Romain participe au brancardage. Il fait ensuite gagner de précieuses minutes à toute l'équipe en aidant au conditionnement de la victime. Déshabillage, pose du tensiomètre, du saturomètre et du moniteur de surveillance cardiaque. Formé à la mise en route, au fonctionnement et à la lecture des appareils de surveillance, il apporte globalement une aide équivalente à celle des ambulanciers du SAMU lors des interventions terrestres. Ainsi, il facilite le travail de l'infirmière tout au long de l'intervention.
Ici, l'état du cycliste nécessite la pose d'une perfusion. Il connaît le matériel nécessaire, les gestes d'urgence et de secourisme. Il va aussi faciliter le travail du médecin. Il faut endormir puis intuber le blessé. Pendant que l'infirmière prépare ses médicaments et que le médecin prépare son intubation, Romain s'occupe du montage du respirateur. Dans certains cas, chaque seconde compte. Les minutes gagnées grâce à l'aide de l'assistant de vol sont directement répercutées sur le pronostic et l'avenir du patient. Une fois complètement conditionné, le VTTiste est transporté des lieux de l'accident à la zone de posée de l'hélicoptère. Romain va alors faire le lien entre l'équipe sanitaire et le pilote pour la transmission des informations, de la destination décidée par le SAMU ou des contraintes médicales de vol. Il supervise avec le pilote l'embarquement du blessé et du matériel. Avant le départ, il fait gagner encore un temps précieux au patient en validant les points de contrôle nécessaires, comme la bonne fermeture des portes. Le pilote, lui, prépare et effectue la mise en route. L'hélicoptère décolle et transporte en toute sécurité le blessé vers l'hôpital sous le contrôle du pilote et de l'assistant de vol. Grâce à sa formation aéronautique et sanitaire, l'assistant de vol apporte un gain de temps et de sécurité aux patients, aux pilotes et à l'équipe médicale.